J'ai invité François Rosset, grand pianiste de chez nous, et Emmanuel Pagano, qui est en France pour quelques temps, pour une petite quinzaine de jours. On l'a récupérée, elle arrive de Rome, où elle est donc depuis plusieurs mois pensionnaire à la Villa Médicis. Et ça me fait très plaisir de l'avoir avec nous. Jamais la musique du courant ne m'a déçue. Qu'il soit minime et murmurant ou presque assourdissant, et dans mes photos, je l'entends. J'entends le tendre accueil de l'entêtement de l'eau par ces pierres réputées dures, dont la malléabilité apparaît pourtant si clairement, mais des milliers d'années plus tard. Nous faisons partie de ce drôle de collectif spatio-temporel dans un rectangle de 10,5 x 14,8 cm que forme l'ensemble des gens sur la plage et l'ensemble beaucoup plus vaste des touristes qui ont acheté cette carte, un souvenir emporté par erreur, un souvenir qui ne leur appartenait pas. Tous ces gens qui ont envoyé leurs souvenirs d'été avec nous deux, ma mère et moi, au premier plan. Ma mère et moi à l'envers des mots envoyés à d'autres familles, ma mère et moi dans une histoire familiale étrangère, des potins et des drames qui ne nous regardent pas, et nous regardaient pourtant, distraitement, en tournant la carte. Je regardais dans le ciel les avions réactifs filer dans le ciel. Et les poules!